drapeau incliné. Alors théoriquement, le drapeau allemand ne s'incline pas devant le président de la République française, mais... 27e bataillon de chasseurs alpins, le 27e BCA, autorité en tel, le colonel Nicolas Lenem. Donc là, ils sont dans une tenue immaculée, super, mais ils rentrent d'Afghanistan. Ils ont mené des combats extrêmement durs. Ils ont perdu un caporal, le caporal-chef Nicolas Belda, qui a reçu un tir de RPG, de lance-roquette anti-char, et qui a été tué au combat. Ils ont vraiment mené des combats extrêmement durs, extrêmement intenses, avec d'autres unités qu'on va voir. Là, ils sont dans la grande tenue tradition, avec sur la tête la fameuse tarte, c'est le surnom de ce béret de très grande dimension. Et vous m'avez favorisé de cette information, parce que je m'interrogeais justement sur la taille de cette tarte. Ils sont en tenue de montagne, il faut préciser. En fait, c'est leur chapeau leur sert aussi sur le terrain, à pouvoir mettre, quand il fait très froid, leurs deux pieds à l'intérieur pour pouvoir se protéger. Leur devise, vivre libre ou mourir. Oui. Et c'est une troupe qui a été particulièrement adaptée au combat dans certaines zones montagneuses d'Afghanistan. Ils étaient pleinement dans leur élément. Ils ont fait un boulot fabuleux dans la lutte contre les groupes talibans. Alors...